Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter des jeux pour le développement personnel. Alors, c'est quand on parle de cartes, de cartomancie, quand je dis aux gens que je tire les cartes, la première chose à laquelle on pense, c'est la divination. C'est vraiment quelque chose qui est associé dans l'esprit de la plupart des gens. Tirer les cartes, ça revient vraiment à l'image de la voyante, celle qui va consulter l'avenir, tout ça. En fait, c'est vrai, dans l'origine des cartes, c'est ça, hein, de base, les cartes, elles étaient utilisées surtout dans un sens d'oracle pour voir l'avenir. Mais avec, je pense, l'apparition de la psychologie, bon, qui reste finalement assez récente, on a commencé à avoir un autre rapport à soi. Avant, il y avait vraiment cette image du Dieu qui contrôle notre vie, et du coup, les cartes étaient là juste pour voir ce fameux destin, qu'est-ce qui nous réservait. Mais avec, je trouve, ouais, la modernité, en fait, on a appris que quand même, on avait aussi notre mot à dire par rapport à ce qui nous arrivait. Donc, il y a eu la découverte, comme je dis, de la psychologie, on s'est rendu compte de l'inconscient qu'on avait, de la complexité qu'on avait. Et puis, il y a eu l'arrivée encore plus récente du développement personnel, où on a commencé à se rendre compte qu'en fait, on peut aussi travailler sur soi. Alors, pour moi, le monde de la divination n'est pas incompatible avec le monde du développement personnel. D'ailleurs, il se mélange souvent. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui vous tirent les cartes pour vous lire l'avenir, mais qui vous diront aussi que vous gardez votre libre arbitre et que le fait de savoir quel va être votre futur, en fait, vous allez pouvoir le modifier avec des choix présents. Donc c'est quand même quelque chose qui est vachement présent aujourd'hui. Je pense qu'il y a peu de voyantes aujourd'hui qui vous diront que les choses sont gravées dans le marbre et que vous n'avez absolument aucune emprise dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc du coup, le développement personnel, ce qui est quand même vachement sympa, c'est qu'on a tout pouvoir, quoi. C'est vraiment l'idée d'être au centre de sa vie et on va apprendre à se connaître, ça fait vraiment partie du développement personnel. On va apprendre à se connaître et puis on va se rendre compte que justement notre personnalité, notre vie, elle n'est pas figée. C'est pas un truc qu'on nous a donné et où du coup soit on est gagnant, soit on est perdant. Non, on peut, par exemple, si on a une vie qui ne nous convient pas, si on a beaucoup de difficultés, avec le développement personnel, on va pouvoir développer une nouvelle façon de se voir. Donc là, moi je vous ai fait une sélection de jeux qui ont été conçus dans cette optique-là. En fait, ils ont chacun ont un livret, je trouve, qui est particulièrement détaillé et qui va nous aider à travailler sur nous. C'est pas des jeux qui ont été créés pour voir l'avenir, mais plutôt dans cette optique de prendre en main sa propre vie. Donc je vous ai sélectionné, je dois en avoir une dizaine à peu près. Il y a deux jeux qui sont en anglais, mais je les aime tellement que j'ai quand même voulu les mettre dans cette présentation au cas où l'anglais ne vous bloque pas. Sinon, le reste est en français. Alors, en premier, alors je fais pas de. C'est pas un top. Enfin, je les ai pas classés. Hein. Je suis pas en train de vous montrer celui-là en premier parce que c'est celui que j'ai le plus aimé ou le moins, quoi. Je les aime tous énormément et ils ont tous leurs propres vibrations, quoi. Donc, le Inner Compass, les cartes de la boussole intérieure. Donc, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui va être adapté quand on se sent perdu. Boussole intérieure, hein, et moi je trouve aussi quand on se sent très anxieux, mais ça va souvent que quand on se sent perdu, ouais, on stresse un bon coup, on est tendu. C'est un jeu je trouve, est sympa quand on se sent un peu proche du burn-out, quoi, qu'on n'en peut plus, qu'on n'arrive plus à se faire plaisir, qu'on n'arrive plus à se faire du bien. On se sent un peu dépassé par les événements. C'est un jeu qui est super pour ça. Donc je vous montre quelques cartes. Donc on est sur des illustrations qui sont abstraites, mais vous voyez que les thèmes s'abandonner vont vraiment être propices pour s'orienter, émerveillement, vulnérabilité. Et le livre est extrêmement bien fait. Les cartes, vous les voyez pas très bien d'ailleurs, attendez, je vous fais une mise au point. Bon, je vais pas avoir quelque chose de mieux. Les cartes, elles sont chouettes, je trouve aussi, parce qu'elles ont ce blanc-là, qui donne un côté très épuré et qui est très sympa quand on se sent tendu. Justement, quand je vous disais, quand on a plein de pensées, qu'on n'en peut plus, c'est un jeu qui fait tellement de bien, je trouve.
Donc le livret, il est fin, mais en fait, il faut pas du tout s'y fier parce qu'il est hyper riche au niveau des textes. Alors, pas tellement par leur densité, enfin je veux dire, vous avez un paragraphe, vous n'avez pas 5 pages sur chaque carte, mais vraiment, chaque phrase a vraiment un impact. Je le trouve extrêmement parlant et il permet de faire un réel travail et de voir les choses sous un autre angle. Le texte est vraiment puissant de tous les jeux que j'ai. C'est un des plus puissants, je trouve. C'est presque pour moi. Je vous laisse faire une pause si vous voulez lire un petit peu pour voir comment c'est écrit. Mais ouais, c'est presque un jeu qui me fait l'effet d'une lecture d'un livre de développement personnel, quoi. Alors que juste j'ai tiré une carte, mais ça m'a vraiment donné une autre façon de voir les choses. Et il est vraiment super pour ça. Voilà pour le premier jeu. Je vous montre le deuxième. Il s'agit de La Voix de la Découverte Intérieure par Sandrine Maréchal et illustré par Mathilde Ricolle. Alors, c'est un jeu qui est en noir et blanc, c'est assez rare et au début ça m'avait un peu freiné pour l'acheter. Mais en fait, c'était dommage parce qu'il est vraiment génial. Alors, je vous montre. Donc en fait, on a des cartes, je ne sais plus combien. En fait, vous avez des familles de cartes. C'est un jeu qui est fait pour être tiré dans une certaine continuité. C'est-à-dire que là, vous avez intériorisation, expression. Donc là, c'est une carte double. Mais vous avez aussi des cartes différentes. Par exemple, là, ce n'est pas une carte double. Tristesse. Alors moi j'avais rajouté des petits, je m'étais dessiné des petits logos justement pour pas mélanger les cartes. Vous voyez là il y a encore un autre petit dessin que j'ai fait ici dans la carte de la compassion. Je vous en montre une autre pour que vous ayez idée des illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Et encore une autre. Donc je vais vous montrer le livret parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, je me rappelle plus exactement du nom des cartes. Ah voilà. Donc vous voyez, vous avez des cartes lumière. Donc moi j'ai fait ce petit signe pour les reconnaître. Vous avez des cartes ombre, des cartes émotion de lumière, des cartes émotion de l'ombre et des cartes dualité. C'est ce que je vous ai montré là où on a ce truc double. Donc en fait, elle vous propose de faire des tirages avec toutes ces cartes-là. Donc par exemple, vous allez tirer une carte parmi les 11 ici, vous allez en tirer une, ça va représenter la lumière dans votre situation. Vous allez tirer une parmi celles-ci et ça va donner l'ombre par rapport à votre situation. Et en fait, vous allez construire comme ça un tirage de, alors je sais plus, 5 cartes, je crois. Une, deux, trois, quatre, ouais, c'est ça, 5 cartes. Et ça va en fait comme décortiquer les énergies au sein de votre question. Et pour chaque carte, vous avez vraiment de quoi travailler. Par exemple, ici sur l'enthousiasme, je vous laisse faire une pause si vous voulez lire. Hop, on a quand même une double page et c'est vraiment bien bien écrit. Vous voyez ici, on a Je suis l'enthousiasme et on a entre guillemets, on a la carte qui nous parle. Et ensuite, on a une sorte de résumé avec en gras vraiment ce que la carte va vous apporter. Donc là, c'est vous autoriser à vivre pleinement. Cette carte va vraiment vous apporter ça. Cet enthousiasme va être vraiment important par rapport à votre question. Donc c'est un jeu vraiment que je trouve super. Je l'aime énormément. Il est très thérapeutique en fait, je trouve. C'est un jeu que je conseillerais bien aux psychologues aussi pour accompagner une séance, pour terminer une séance. Il est vraiment super. Puis on a l'image du phénix, c'est vraiment cette idée de renaître de ses cendres quand on se sent mal. Bah, ce jeu-là va vous permettre en fait de plonger, oui, dans les choses douloureuses, hein, parce qu'on l'a vu, il y a des cartes d'ombre, il y a des choses difficiles. Et après, vous allez avoir des cartes de lumière pour vous remonter vers la lumière, mais tout en ayant intégré cette ombre, je trouve que c'est un processus qui est très puissant. Je suis très reconnaissante envers l'auteur et l'illustratrice. Parce que je trouve que c'est un sacré outil, ce jeu. Ensuite, oui, celui-ci, l'oracle sans blabla, je trouve on n'en entend pas trop parler. Et moi, franchement, je l'aime énormément. C'est celui de Pauline Vernet, illustré par Kat Laporte. Alors, c'est peut-être les illustrations qui ne plaisent pas à tout le monde. Je peux comprendre, c'est vrai qu'elles sont particulières. Mais moi, je trouve qu'il a un truc, ce jeu. Comme son nom l'indique, l'oracle sans blabla, c'est vraiment l'idée qu'il va aller droit au but, il va vous dire les choses et pas passer par quatre chemins, et ça j'aime bien.
Donc je vous montre, voilà, c'est vrai que les illustrations sont un peu particulières, on a un truc un peu abstrait et en même temps moderne. Je sais pas, ça me fait penser à. J'ai l'impression d'être dans un musée sur l'art moderne quand je tire des cartes avec ce jeu. En fait, je l'aime beaucoup au niveau des thèmes qui sont abordés, la façon dont c'est écrit dans le livret. J'aime beaucoup, je vais vous montrer. Hop. On n'a pas beaucoup de texte, mais tout est dit et bien dit, je trouve. Donc vous avez une phrase en gras qui va reprendre en fait ici ce qui est écrit là. Et donc vous avez à chaque fois comme ça une page par carte. Je trouve que mon copain est fan de la communication non violente et il aime beaucoup ce jeu. Et il trouve qu'il y a pas mal de notions de communication non violente qui sont reprises là-dedans. Dans le sens où c'est un jeu qui va vraiment vous permettre de sortir des jugements, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il est décomplexant, je trouve, vachement. Il fait un bien fou quand on commence à se prendre la tête. Il a même un petit côté un peu drôle, il va permettre de dédramatiser et je trouve qu'il reconnecte vraiment aux lois cosmiques, en fait, à des trucs puissants et en même temps il le fait dans une grande simplicité. Je trouve qu'il fait, quand on le regarde comme ça, Oracle sans blabla, quand on voit les illustrations qui sont très simples, on peut se dire, ok, bon, c'est un jeu très simple et c'est vrai qu'il est simple, mais en fait ça n'empêche pas vraiment, je trouve, d'être extrêmement puissant et de fournir des informations super pertinentes. Parfois, on peut avoir tendance à se dire qu'il faut faire des choses compliquées pour avoir accès à des trucs détaillés, mais en fait, pas forcément. Celui-ci, je trouve qu'il est vraiment. Enfin, moi, je l'aime vraiment beaucoup. À chaque fois que je fais un tirage avec, d'ailleurs, c'est droit dans le mille, quoi. C'est avec ce jeu-là, j'ai jamais. Jamais de réaction comme ça où je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout là cette carte? Dans certains jeux, c'est des fois je tire une carte et il me faut un certain temps pour réussir à la comprendre. Celle-ci, ce jeu-là, non, il est semblable à quoi, il y va. Donc il est top, je vous le conseille. Ensuite, en sortie assez récente, on a Vos vérités cachées, donc qui a été traduit. J'étais tellement contente qu'il soit traduit parce que l'anglais était compliqué, parce que là, pour le coup, on est clairement dans de la psychologie, de la vraie psychologie. Donc déjà que la psychologie, vraiment, en français, c'est pas toujours évident, mais alors en anglais, je nageais, je mettais 1 heure à traduire, parce qu'il y a beaucoup de textes. Vos vérités cachées, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que ça part du principe. Que en fait on se cache la vérité à soi-même. C'est vraiment la base de la psychologie en fait. Pour se protéger, on va se cacher certaines choses. Et le problème, c'est que du coup, comme on n'a pas toutes les informations, eh ben, on tourne en rond et on n'arrive pas à sortir notre problème. Donc, c'est un oracle qui va vous mettre des bonnes tartes dans la gueule. En gros, c'est ça. Hein. Il est vraiment. C'est pas du tout un jeu d'affirmation positive. Il va vous dire des choses et des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Il peut vous dire, par exemple, vous refusez de voir que vous vous servez des autres pour vous donner une belle image de vous-même. C'est vraiment un jeu comme ça qui. Il faut être prêt à se regarder en face, mais il est extrêmement puissant quand on accepte ça, justement. Au niveau des cartes, il est particulier parce que ce sont des sigils, c'est-à-dire que voilà, ce sont des trucs complètement abstraits, mais très puissants. Dans la version anglaise, il proposait carrément des tatouages éphémères. Dans la boîte, vous aviez des tatouages éphémères. J'ai adoré l'idée. C'est dommage, en français, ça n'a pas été repris. Là, vous avez juste les cartes. Mais ouais, ce sont des sigils, donc ils ont une énergie, un truc vibratoire important, donc ça peut être chouette de. Bon, j'allais dire, vous le dessinez. Il y en a qui sont un peu complexes. Peut-être garder la carte sous votre oreiller ou sur votre table de nuit ou la garder sur vous pendant la journée. Elles vont avoir. Ça va permettre de travailler le truc un peu plus. Et je vais vous montrer les cartes, enfin, ouais, la table des matières des cartes. Que vous voyez un petit peu les thèmes qui sont abordés. En plus, il y a plein de. Il y a énormément de cartes. Je sais pas s'il n'y en a pas 78. Je vais vous dire ça. 78, donc comme un tarot, hein. C'est vraiment. L'auteur a fait un sacré boulot. Donc, vous voyez, il y a un sigil qui s'appelle Votre peur, l'image de soi. À chaque fois, c'est un truc à travailler. Leur motivation, vos motivations, le bulldozer, vos traumatismes. Bon, je ne vais pas tout vous lire, je vous laisse regarder.
On a vraiment, à chaque fois, sur chaque carte, c'est un vrai travail qu'on vous propose. C'est un oracle avec lequel je ne fais des tirages que à une seule carte. Éventuellement, je la recouvre, mais je ne fais pas de tirage à plusieurs cartes parce que c'est du lourd, quoi. Il est vraiment très dense et moi, je préfère pas me mettre trop d'informations, quoi. Je vais vous montrer une explication de carte, par exemple ici la 48, la rareté. Donc, vous voyez, si vous avez tiré ce sceau, vous tombez dans une pensée de la rareté. Cela vous pousse à penser, à parler et à agir d'une manière qui ne profite ni à vous ni aux autres. Cela peut vous emmener à faire des choix qui ne sont pas les bons. Et là, l'auteur développe. Voilà, donc vous avez des cartes qui sont un petit peu plus longues que ça. Celle-ci, elle est encore, ça va, mais il y en a qui s'étendent sur plusieurs pages. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je trouve que c'est un jeu aussi qui est très puissant pour régler des problèmes de communication, de relation. Parce que souvent, quand on a un problème avec quelqu'un, on voit pas la réalité telle qu'elle est. Il y a des choses qui sont brouillées. Et ce jeu-là va vraiment permettre de mettre en lumière ce qui se passe réellement. Donc, il est vraiment super pour ça. Je détaille pas plus les jeux parce que chaque jeu, vous pouvez trouver sur ma chaîne en plus détaillé la présentation. C'est des jeux que je vous ai déjà présentés. Alors ensuite, en jeu particulier, il s'appelle Conduire sa vie. Il est particulier parce qu'on dirait un espèce de jeu du mille bornes. Celui-ci, j'ai aussi hésité à l'acheter et franchement, ça aurait été dommage que je m'en prive parce qu'il est, pour moi, il est vraiment exceptionnel. C'est un jeu qui a été fait en fait pour jouer à plusieurs, mais moi je l'utilise comme un oracle toute seule. Il fonctionne très bien aussi. En fait, c'est un jeu qui reprend les panneaux donc de signalisation et l'auteur est allé chercher la symbolique de chaque panneau. Et vous avez une question à vous poser. Donc ici, par exemple, comment je réagis quand on m'empêche de m'exprimer? Et ensuite, vous pouvez vous référer au livret et vous allez avoir plein d'autres questions. Là, c'est la question centrale. Mais si celle-ci ne vous inspire pas plus que ça, vous allez avoir plein d'autres questions à vous poser. Ce que je trouve vraiment génial avec ce jeu, c'est un truc en fait dont j'avais toujours rêvé. C'est que j'ai constaté que les oracles, vous avez une question, vous tirez une carte, vous avez la réponse sur la carte. Moi, je me disais que ce serait intéressant d'avoir un oracle qui nous pose des questions. On pose une question, l'oracle, il va nous répondre comment? En nous posant des questions. Parce qu'en fait, finalement, se poser la bonne question, c'est hyper important. Et c'est rare qu'on le fasse, en fait. Et là, ce jeu va vous permettre vraiment de cibler ce qui est en train de se passer. Il est très pointu au niveau des questions qui sont posées. Il y a vraiment un vrai travail qui peut se faire. Je vais vous montrer le livret. Alors, on est sur une carte rouge. Et c'est le numéro 3. Voilà, interdiction de klaxonner. Vous avez des questions qui sont proposées ici. Donc, je vous disais, vous en avez d'autres. Est-ce que je maîtrise mon volume sonore? Pourquoi? Est-ce que je résiste à l'emportement ou à la colère? Pourquoi? De quelle façon ma joie s'exprime-t-elle? Discrètement, bruyamment, largement? Pourquoi? Pourquoi est-ce difficile pour moi d'exprimer mes émotions? Quelle est ma façon de donner l'alerte face à un danger immédiat? Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Vous pouvez en choisir une ou deux. Mais c'est super sympa. Après, c'est vrai que c'est cool de le faire à plusieurs. Si vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous écouter, ça va être encore plus puissant. Mais rien ne vous empêche de le faire tout seul. Bon, je ne vais pas dans les détails hein, parce que c'est un jeu que je vous ai déjà présenté. Mais vous avez plein de jeux qui vous sont proposés au début. On vous explique comment vous pouvez utiliser les cartes. Et voilà, c'est un jeu qui est super riche justement dans la façon dont on peut l'utiliser et qui permet des vraies prises de conscience. Ensuite, il y a le Symbolon. Alors celui-là, il fallait absolument que je vous le mette dans la sélection parce que pour le coup, c'est complètement assumé. Dans le livret, on vous dit, ce n'est pas un jeu pour faire de la divination, c'est un jeu qui va non pas se concentrer sur l'avenir, mais plutôt sur le passé, sur ce que vous avez vécu et les choses que vous avez du mal à assumer. Et en fait, les choses qu'on bloque, bah, elles vont se répéter dans notre futur. Donc, autant en prendre conscience. Et ce jeu-là a été créé pour vous aider à prendre conscience des choses justement que vous avez tendance à bloquer. Alors, c'est un jeu qui peut ne pas plaire à tout le monde parce que y a des trucs, des références, des fois clairement christiques, en fait. Et il y a des gens que ça peut bloquer. Mais il est super intéressant. Lui aussi, il va pas
par quatre chemins dans le livret. Moi, j'aime bien ça. On a, vous voyez, les signes astrologiques et tout. Si vous y connaissez en astrologie, il est intéressant aussi à ce niveau-là. Moi, j'y connais rien, mais je pense que ça peut être un plus si on est passionné par ça aussi. Alors, je vais vous montrer le livret qui est très bien fait. Donc, c'est un petit livre comme ça. Hein. Alors, forcément, il est un peu abîmé parce que je l'ai pas mal utilisé. Donc, ce qui est génial avec ce jeu, c'est que vous voyez là, vous avez le nom, vous avez un résumé des thèmes et en fait, vous avez la carte expliquée selon trois angles de vue différents. Donc en fait, c'est un jeu, ça va être super sympa de faire un tirage à trois cartes. En première position, ça va être le problème. En deuxième position, ça va être la recherche de la solution. Et en troisième, ça va être le bout du chemin. Et du coup, c'est super sympa parce que vous pouvez vous référer, voir par exemple, si j'ai tiré le croisé à la deuxième place, ben, je vais lire ce petit texte-là. Si je les tire à la troisième place, je vais lire ce petit texte-là. Je trouve ça super intéressant. C'est très rare d'habitude quand vous avez un oracle, vous avez juste la définition de la carte. Et c'est à vous de faire le travail d'interprétation, pouvoir suivant où vous l'avez dans votre tirage, vous allez en déduire que la carte signifie ça. C'est vrai que pour les débutants, c'est pas évident. Et là, bah, le travail est déjà fait en fait. Après, ça n'empêche pas bien sûr d'utiliser son intuition. Mais je trouve ça super sympa. Et du coup, je me suis dit que dans les prochains jeux, parce que j'ai pour projet de créer mes propres jeux, Oracle et Tarot, bah, je me dis à un moment, dans un des trucs que je vais sortir, je pense que je ferai un truc comme ça. Parce que je trouve que c'est super sympa. Détaillé comme ça pour chaque position. Donc voilà pour le Symbolon. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah bah tiens, justement, un peu comme dans le même genre que Conduire sa vie, un oracle qui pose des questions. On a l'oracle de l'harmonie d'Aline Savant qui a été édité aux éditions Arcana Sacra. Donc là aussi, c'est un jeu qui va vous aider à vous poser les bonnes questions. Donc par exemple là on vous dit changement, êtes-vous à l'aise avec le changement? Acceptation, que refusez-vous de mettre en lumière? Et à chaque fois on a un petit symbole. Et là aussi le livret est très bien fait. La petite particularité de celui-ci c'est que vous avez un exercice concret qui est proposé pour chaque carte. Donc ça c'est super sympa parce que ça permet de ne pas rester dans la théorie mais de passer directement dans la pratique et l'expérimentation. Ça c'est chouette je trouve. Je vais vous montrer vite fait. Donc par exemple sur les difficultés. Donc là on va vous parler un petit peu des difficultés. On va vous interroger sur ces fameuses difficultés. Sauriez-vous dépasser les difficultés? C'est la question qu'on vous pose. Et ensuite, vous avez ce que l'auteur appelle une bulle d'harmonie. C'est les fameux exercices. Donc là, vous avez dressé une liste des actes impardonnables que vous pensez avoir commis ou pas commis. Et rendez-vous à la partie ressources à la fin du livret. Ouais, parce que vous avez en plus une petite annexe où on va vous parler de trucs comme Ho Oponopono et tout. L'EFT aussi. C'est vraiment un petit oracle qui est très riche, vraiment. Voilà pour ce jeu. Ensuite, alors celui-ci, je ne voulais pas présenter encore. J'ai pas trouvé le temps, mais je le ferai bientôt. C'est l'oracle des fées de Paulina Cassidy, qui se présente comme un oracle tout à fait normal, mais moi je trouve qu'il est très orienté développement personnel. Il permet vraiment de faire un travail sur soi. Donc, par exemple, ici, la confiance, vous avez un petit texte qui va vous détailler un petit peu. Voilà, bah, qu'est-ce que c'est que la confiance? Hop. Ensuite, ici, l'énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Et je vais vous montrer. On a des illustrations trop mimi en plus. Je vais vous montrer le livret. Je trouve que voilà, on est vraiment dans un travail sur soi. On a pas mal de textes en fait, vraiment. Par exemple, ici sur la carte énergie, vous voyez le texte commence ici et ça continue sur plusieurs pages. Alors je vous laisse faire une pause si vous voulez le lire.
Mais on a une page encore et encore une page ici. Et ensuite, vous avez même une réflexion de la fée de l'énergie, où là, on va se recentrer davantage sur la description de la carte et la symbolique de l'illustration. Donc, vous voyez que c'est assez dense, c'est rare qu'on ait autant de textes dans un livret accompagnant un oracle. D'ailleurs, vous voyez un peu l'épaisseur quand même, c'est assez important. Du coup, ouais, c'est, je trouve, un jeu qui fait réfléchir pour chaque carte. C'est une vraie réflexion en fait qui est fournie. C'est pas juste un message divinatoire en mode justement énergie. Bon ben voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous pour avoir plus d'énergie ou je sais pas quoi. C'est bien plus travaillé le message et ça permet de réfléchir sur certaines notions et certaines énergies en fait. Ensuite, bah, dernier jeu en français, c'est celui-ci. Alors j'ai hésité à le mettre dans la sélection parce qu'il est clairement, il peut être utilisé pour de la divination celui-là. Mais il a quand même, l'auteur, c'est Marie Besnier, elle a fait un gros gros travail je trouve au niveau du livret et elle s'est donné la peine, moi je trouve ça super, de faire pour chaque carte. Vous avez donc la symbolique et tout qui peut être plus travaillé en divinatoire, mais ça n'empêche pas aussi en développement personnel. Mais en fait, vous avez pour chaque carte un paragraphe éveil personnel. Et là, on est purement dans une interprétation de développement personnel vis-à-vis de la carte. Donc c'est quand même super et ça en fait un jeu vraiment chouette pour travailler sur soi. Je vous montre une autre page, par exemple. Celle-ci, voilà. Il y a vraiment un gros travail à chaque fois sur le message d'éveil personnel. Voilà, voulez-vous prendre le large? Il semble qu'une escapade en dehors de votre routine vous fera le plus grand bien. Voilà, partez à l'aventure, on est sur des conseils concrets sur comment est-ce que vous pouvez appliquer l'énergie de la carte. Je vous montre les illustrations aussi, rapidement. On a des mots-clés aussi qui sont très très, je trouve, parlant et bien choisi, qui permet de faire travailler l'intuition. Donc, vous l'aurez compris, hein, avec le titre, on est vraiment sur le monde de l'océan. Voilà pour ce jeu, et du coup, je vais vous montrer les deux petits derniers qui sont donc en anglais. Alors, il y en a un que j'ai reçu récemment, j'ai pas non plus pris le temps de vous faire la vidéo de présentation, mais ça va pas du tout tarder. C'est celui-ci. Ben voilà, ça s'appelle se soigner, se guérir soi-même. Hein, donc on est vraiment ici sur du développement personnel pour transformer son âme de. Alors, est-ce que c'est un I, Ina Segal ou est-ce que c'est un T? Je pense que c'est Ina. Alors, comme je vous disais, je prendrai le temps de vous le présenter en détail. Je vais vous montrer quand même que vous voyez les cartes, elles sont vraiment super jolies, moi j'adore. Et hop, alors je vais vous montrer le livret. Donc on est en anglais, mais c'est un anglais qui est facile, je trouve, vraiment qui est tout simple. Donc vous voyez un peu l'univers, je trouve qu'on est dans un truc assez. Ça fait un peu illustration de bouquin de fantasy. On est dans un truc assez sexy, je trouve que les femmes sont juste trop belles. Souvent un peu décolleté, il y a un truc très sensuel, je trouve. Je t'en montre une autre. C'est des vraies princesses, quoi, aussi souvent. Ça fait vraiment illustration de bouquin de fantasy, je trouve. Et je vous montre le livret. Alors là aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il y a aussi un petit paragraphe action pour chaque carte. Donc, vous voyez par exemple ici, découvrez le but de votre vie. Vous avez une petite question ici qui est formulée en doré. Ensuite, vous avez une réflexion dont le texte n'est pas trop long. Si vous avez des difficultés avec l'anglais, c'est pas grave, vous n'avez pas 3 pages à traduire. Et vous voyez, on a ici une action concrète. Pour chaque carte, vous avez une action à poser. Et je trouve que c'est important quand on est dans le développement personnel de ne pas rester avec une simple réflexion. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez une action qui est proposée. Donc, c'est un jeu qui est vraiment. J'adore. Enfin, je trouve que les réflexions
sont profondes, sont intelligentes. Moi, ça me parle beaucoup. Et les actions aussi qui sont proposées, elles sont super sympas. Des fois, il y a des trucs que j'aurais jamais pensé. Donc, il est vraiment chouette. Je prendrai plaisir à vous le présenter plus en détail prochainement. Et le dernier de cette présentation, c'est le Elle qui Oracle. Je l'adore, ce jeu, il est tout particulier pour moi. Alors, Elle qui Oracle, on pourrait penser que c'est en français, mais non, hein, c'est un jeu en anglais. En fait, vous avez... ce ne sont que des femmes, des portraits de femmes. En fait, c'est vraiment... comment dire? Comme les différentes facettes de nous-mêmes qui vont être présentées dans ce jeu. Donc là, on a... Alors ça, c'est son prénom, hein. Étreinte. Thérase, celle qui vit dans le présent. En fait, on vous dit... À chaque fois, vous avez celle qui, et puis on vous dit quelle est son énergie, et puis vous avez les mots-clés. Donc par exemple, voilà, ça c'est la part de vous qui est capable de vivre dans le présent. Ça c'est la part de vous qui est calme, zen. Et vous avez des cartes un peu plus dark, hein. Vous en avez... j'en cherche une. Enfin, il y en a qui souffrent, hein. Il y en a qui souffrent, il y en a qui... Celle-là, je l'adore. Celle qui crée, c'est la part créative. C'est vraiment un jeu qui est très sympa, quoi, pour bosser. Celle qui se relève, le phénix, la capacité à surmonter toutes les épreuves. Celle qui voit... Celle qui va prendre sa revanche. J'adore les illustrations, j'y suis très très sensible. Celle qui écoute. Donc qui va savoir apprendre aussi. Le jeu est en anglais, mais je trouve l'anglais relativement simple. Ce que j'aime beaucoup à la fin, c'est que vous avez des questions en italique. Qui vont vraiment clôturer enfin clôturer, en fait ouvrir la réflexion, mais elle arrive à chaque fois à la fin de l'explication de la carte. Donc là, par exemple, sur celle-ci, vous avez le nom de la femme que vous avez sur la carte. On vous détaille. Donc là, on vous parle de la carte. Ensuite, vous voyez le message de la carte, on vous le donne ici plus clairement. On vous dit qu'il va falloir chercher un autre chemin. Avec cette femme-là. Il y a toute une réflexion sur le fait de se réinventer, en fait. Et puis, voilà, vous avez à la fin les questions qui sont toujours pertinentes. J'adore, en fait, hein, moi, quand on pose des questions dans les oracles. Voilà pour ce jeu. Bah, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour de toutes ces présentations. J'espère que ça vous aura inspiré. Je trouve ça vraiment magique, la diversité des oracles qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.